Qu'est-ce qui s'est passé quand la grenouille a trouvé le puits ? Judicieusement, ils partirent. C'est tout ? Oui. C'est pas une histoire, ça. Si le fils avait sauté, ce serait déjà mieux. Il serait piégé. Il mourrait de faim sous le regard de son père impuissant. Tu vois, voilà une histoire. Tu veux qu'on s'arrête ici ? Forcément avoir un point faible. La tombe de son père, quelque chose d'intéressant? Peut-être. Père, on va détruire cette statue, pas vrai? Pouvoir faire ça tout seul. Aussi facilement, Atreus. Je sais. Je plaisantais. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Désolé. Père. Pourquoi est-ce que les dieux nous posent autant de malheur ? Parce que c'est dans leur nature. Mais avec tous ces pouvoirs,
Certains d'entre eux pourraient essayer de rendre la vie des gens meilleure. Et pourtant, ils continuent à infliger la souffrance. C'est la vie, mon garçon. On a le temps pour une autre histoire ? Une histoire courte. Il était un jeune homme qui avait été pris en train de voler et condamné à mort. Sa mère vint le voir en prison. C'était une femme douce, aimante et généreuse. Mais son fils, le voleur, ne ressentait que rage et lui mangea l'oreille. Hein ? Pourquoi ? Nous continuerons plus tard. Bien. Et vous ? Avez-vous détruit la statue ? La statue n'est plus, esprit. Alors mon lien avec ce royaume n'est plus, et je peux partir à la recherche du vrai dieu du tonnerre. Il paiera pour ce qu'il a fait. Je vous remercie, voyageur. Il est parti. C'était courageux de vouloir défier Thor tout seul. C'était stupide. Qu'est-ce que l'esprit nous a laissé ? Une offrande pour un des dieux. On peut s'en servir ? Non, mais les nains peut-être. T'as pas vu quelque chose là-bas ? Une tour ? Je ne vois aucune tour. Peut-être une hallucination. Le voleur a mordu l'oreille de sa mère. Parce qu'il n'était rien d'autre qu'un voleur. Et que sa mère ne lui avait appris que l'amour en le préservant des conséquences. Si elle lui avait enseigné la discipline, sa vie aurait été plus longue. Oui. Une oreille. C'est horrible. Hé, Brock, on a quelque chose d'intéressant. C'est pas vrai. Eh bien, je suis intéressé. Tyr aurait été heureux de savoir que ses offrandes serviraient à fabriquer une armure. Tu l'as connu ? Comment il était ? Aucune importance, petit. Tyr est mort. Laissons-le passer où il est. Le nain a raison, pour une fois. C'est parti.
ce charlatan qui me sert de frère poser ses mains dessus? Allez, je serai là s'il y a besoin d'autre chose.